partager le direct. Maintenant que j'ai les lunettes optiques, toujours, je vais bien voir vos choses. Partagez le direct. Ceux qui sont connectés là, partagez le direct. Parce que quand vous partagez, ça permet, moi je suis à ma poche. Ça permet aux autres de venir. Moi pour ça. Vous savez. Bon, le peu de gens à qui j'ai partagé mon direct, vous savez, on vit dans un monde où les gens, vraiment. Hier, je suis, avant de parler même de l'autre nouvelle secteur là, l'autre nouvelle Wishwoman que vous appelez Chris M là, qui est partie au Bénin, elle est partie sceller sa part de pacte là-bas. Hier, le monsieur qui se fait appeler le président ou c'est de quoi à Paris là, le Féman là et tout, je passe sur la page de faux, le remplisseur du salle. Je mets un commentaire, je ne mets pas son nom, hein. Je mets un commentaire là-bas, je ne mets pas son nom. Le mec, lui, il vient, il me traite de cervelé et le mosailleur là, celui que les filles appellent là, que le président des mosailleurs, il vient, il me traite de cervelé, mais attends, je me suis dit que, mais est-ce que le mec là, il regarde même la gueule de la femme qu'il a, de venir traiter une tête pré-remplie comme la mienne là, de cervelé, il me dit, ouais, ce que tu fais là, c'est la fémania. Je lui ai dit que non, écoute-moi, mon très cher petit rosé-crucien. Le mec là, il est rosé-crucien et obédience de Yaoundé. Je lui ai dit, petit connard de merde, je lui ai dit que toi, c'est oui, c'est normal. Ce qui se passe avec mes photos et mon nom, c'est de la fémania. Sauf que ce sont tes fratères. Je lui ai dit ça. J'ai dit ça à ce maire-là, celui qu'on appelle le président des Mbozaïeurs, là. Je lui ai dit que ce sont tes fratères qui viennent prendre mes photos, qui créent des pages. Ils font exactement ce que tu fais. Et ils viennent, c'est-à-dire que pour nourrir les femmes comme la tienne. Bon, je ne voulais pas lui parler de sa femme, là, parce que ce monsieur-là, il me traite des cervelés. Mais je vais aller lui demander de regarder un peu la femme qu'il a à côté, le guignol qu'il a à côté d'elle là. Je lui dis que mais jamais je veux bien être une esclave, mais je vais jamais ramasser quelqu'un comme lui là. Faut faire attention mon très cher frère. Faut faire attention. Moi déjà de nature je ne t'aime pas, j'aime pas tout ce que tu représentes. Alors quand tu viens, je vais te dire quelque chose. Toi qui fais ta part de fémania, tu montes, tu descends, machin et tout, tu sissias les gens là. Moi, tu sais, je vais te parler. Je t'aime pas. Je vais d'abord te dire que je t'aime pas. Alors, tu sais, quand tu as affaire à moi, il faut être prudent. Parce que là où tu es là, je peux gâter toutes tes choses là, tu pars en gâta. Moi qui te dis ça. Je te dis que spirituellement, je te montre quelque chose. Je te montre pas tes petits marabouts, tes petits charlatans, tes petits gourous de la rose quoi là. Fais attention quand tu t'adresses à moi quand même. Tu comprends? Si j'avais prononcé ton nom, je me suis adressé à Faux. Et Faux lui-même aussi, c'est quelqu'un, hein. Je suis même allé dans un restaurant, là, à Paris, là. Ce qu'on disait même de toi, il avait fini même par croire ça. Faux lui, chaque fois, il dit que, il ne traite pas avec les 14 ans. Et il est là, il vénère un 14 ans. Moi, je lui ai dit que, mais tu fais, j'ai dit à Faux que, mais tu fais comment pour vénérer un 14 ans? Pourtant, chaque fois, ici, là, tu tires sur les 14 ans. Bref, moi, je voulais dire à ce monsieur-là que, moi, vos conneries que vous faites là, on vous donne l'impression dans votre rose quoi là d'avoir des pouvoirs. Tu t'amuses avec moi. Je vais te donner du temps. Je vais te demander de rassembler et ton gourou et tes multiples marabouts que tu fais pour emballer les gens. Non, je ne fais pas la fémania, mon très chef con. Je ne fais pas dans la fémania. Ce sont tes fratères qui multiplient les pages, comme je te l'ai dit. Ils multiplient, prennent de pages à mon nom. Ils prennent mes photos pour arnaquer les innocents avec ça. Moi-même, je n'ai pas le temps. Je passe ma vie à travailler. Tu t'amuses, on va te demander ici, là où ta femme travaille. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Le guignol que tu as là, tu t'amuses, tu m'insultes. Je vais te demander de nous présenter là où ta femme là travaille. Tu entends avec quoi? Du moment où quelqu'un n'a pas prononcé ton nom, évite. Parce que je peux créer une faille. C'est-à-dire, je peux créer une faille dans ta vie. Fais attention.
ne me sous-estime pas. Ceux qui m'ont sous-estimé ont été surpris par ma force de frappe. Là où tu es là, tu pars, parfois tu voles les choses des gens, tu pars faire le nganga là. Moi je sais avec quoi on vous blinde. Parfois on vous blinde avec la peau du caméléon pour que tu passes. Je peux ouvrir une faille. Là où tu me vois là, il faut jamais me sous-estimer. Je peux créer une faille. On frappe sur toi. Tu entends avec quoi? Je dis, j'ouvre juste une faille comme ça là. On tape sur toi. Même les choses que tu fais là, t'as dit que tout, t'as dit qu'on on commence maintenant, que dès que tu pars ici là, on va... Qu'est-ce qu'il sent comme ça là? Donc méfie-toi de moi. Je t'aime pas. J'aime pas tout ce qui... T'as dit que tout ce qui tourne autour, t'as dit vous avez un groupuscule de personnes là. Vous êtes un groupuscule de personnes là, que j'aime pas. Et vous êtes là, vous voulez parler au nom des autres. Mon ami, quand tu viens me traiter de cervelé, on va te demander, puisque je suis une femme, on va te demander de nous dire ce que la femme que tu as dans le cerveau. Tu blagues ou quoi? Tu rigoles ou quoi? Toto tire Nama, Nama tire Toto. Tu rigoles ou quoi? Vous avez bâti votre renommée sur des châteaux de sable. Que est cervelé? Mais tu blagues avec qui? Tu as dit que tu sais quoi? Moi, je vais te dire quelque chose. Fais attention. Du moment où je t'ai pas tagué, tu n'as pas à me taguer, tu n'as pas à prononcer mon nom. Parce que tu peux beau te faire voir dans le ramassis des petits restaurants de la place parisienne, mais moi, Kamini, j'aurai jamais de la considération pour toi. Parce que je t'aime pas. Ça ne date pas de maintenant. Ça fait longtemps que je t'aime pas avec toute ta bande là. Les pattes diamants, vous qui volez là. Je vous aime pas. Tu entends avec quoi? Et tout de suite, comme tu as les petites saletés qui sont là-bas au pays, que tu les fais croire qu'elles travaillent ou c'est dans tes quoi. Tout de suite, mon téléphone commence à sonner avec les mots du Cameroun. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Tu entends avec quoi? Je n'ai pas le temps. J'ai d'abord trop de problèmes à régler, trop de choses à gérer, trop de paperasse que je ne parviens jamais à terminer. J'ai beaucoup de choses à faire. J'ai pas le temps. Tu es là, tu vas venir, un petit écervelé, machin et tout. Ce sont tes fratères, mon frère. Mon très cher frère. Ce sont tes fratères qui multiplient mes pages. Ils volent les gens. Et la plupart d'entre vous partent là-bas. Quand vous quittez, vous partez pour enregistrer les gens là. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un? Moi, quand quelqu'un m'envoie les messages, si j'ai 50 messages, je vais répondre au moins à 40. J'ai pas le temps d'écouter les balbillages des gens. Parfois, j'ai pas envie d'écouter les gens. Donc, méfie-toi de moi. Mais là où tu es là, comme tu m'as traité de cervelé là, on ne sait jamais, attends-toi à tout avec moi. Donc, appelle un peu tes ngangas là, que tu as de gauche à droite là. Que quand tu pars voler les cartes bleues, ils te protègent. Tu leur dis quand même que faut quand même surveiller la femme là. Parce que quand tu vas t'attendre le moins, je vais te frapper. Je vais te frapper quand tu vas t'attendre le moins. Je vais ouvrir une faille. Tu entends avec quoi? Je vais t'affaiblir. Parce que quand tu fais, je sais comment tu fais pour te cacher quand tu voles les gens. Je vais déjouer ton gourou de la rose, quoi. Je sais comment on frappe les rosicruciens comme toi. Je sais par où on passe. Va demander à Aïcha Kamau, elle va te dire. Elle va te dire quelque chose. Je sais par où, par quelle porte on passe pour frapper les rosicruciens comme toi. Je vais te faire quelque chose. Mais par contre, toi, tout ce que tu vas vouloir envoyer dans ma direction, ça va retourner dans ta gueule et dans la gueule de tes enfants et de ta femme, là. Tu essayes, ça va retourner que sur tes enfants, là. Mais par contre, moi, je vais te chatouiller un peu. Je vais ouvrir une faille. On va te taper à juste mérite. Des trucs que tu fais, tu quittes. Parce que moi, je sais comment vous fonctionnez, vous, les Rosicruciens. Quand vous êtes dans vos trucs-là, et que votre femme est aussi dedans avec vous, ce qui est ton cas, ce que vous faites, c'est que quand vous partez dehors, vous volez la chose des gens. Quand on veut vous taper, vous venez vous cacher dans l'utérus de vos femmes, parce qu'elles sont sorcières. Elles sont également sorcières comme vous. Mais elles sont d'une sorcellerie que, quand même si elles ne font pas partie de vos obédiences, elles sont quand même, elles marchent la nuit avec vous. Vous partez voler, vous venez vous cacher dans l'utérus de vos femmes. C'est d'ailleurs pour ça que l'autre gros pépé là, il est parti prendre une ivoirienne parce qu'il fallait qu'il prenne quelqu'un qui sert le vaudou. Il fallait qu'il prenne quelqu'un qui est dans la, c'est-à-dire qui sert, qui fait l'amitié dans les obédiences là où il est. Vous, tout ça, vous êtes à la rose, quoi. Vous, la plupart, 90% des fémans. 99% vous êtes à la rose quoi. C'est la rose quoi. Vous êtes de la branche à mort. Vous êtes de la branche à mort. Donc quand tu veux me traiter de cervelé, moi je vais pas venir ici discuter avec toi. Vous là, vous tous dans votre clan là. Vous tous les gens là qui passez le temps à voler les énergies des gens sur la toile là. Quand vous m'attaquez, si un de vous m'attaque,
Je rassemble seulement les maîtres spirituels, ils sont autour de moi. On crée une faille dans vos vies. Tu entends avec quoi? Donc les cervelets, c'est la femme que tu as autour de toi là. La boue de vide là qui s'agite beaucoup là, autour de toi. Méfie-toi avec moi. Faut quand même te méfier de moi. Oui, ce que je fais, c'est la fémania. Oui, ce que tu dis, ce que les gens font avec mon nom. Ce que les gens font avec mon nom, de ramasser mes photos. Mes photos sont devenues maintenant que... Mais ce n'est pas possible. Il n'y a pas une personne qui est la plus pire, qui est piratée. Avant, c'était Samuel et tout. Maintenant, c'est moi. Toi, tu as un opportun, un parvenu comme toi. Un parvenu opportuniste comme toi. Tu es là, tu t'agites. On a l'impression que tu as toujours besoin de reconnaissance. Tu entends avec quoi? Un parvenu, un petit parvenu comme toi, un arriviste comme toi. Hein? Toi, tu vas venir m'appeler et cerveler. Tu sais sur quoi tu comptes, hein? Moi, je te dis ça. Tu sais sur quoi tu comptes. Va bien te renseigner. Qu'on ne te trompe pas. Même toi et toute ta bande là, j'ai la capacité à moi seul de vous mettre hors d'état de nuit. Je te le dis, si tu veux, on essaye. Ça dépend de toi. Je vais ravager jusqu'à tes conneries là que tu marches avec, ça bouge partout comme ça, les grosses mèches sur la tête comme pour l'autre qui est là-bas. Tu te prends pour qui? Moi je t'ai souvent vu là, tu sur la toile, tu es que quand tu fais les poèmes avec quelqu'un, tu pars chercher les gens de ta branche de la rose quoi là, que la personne ben, quand il va partir au Cameroun marcher et tout, mais vous blaguez souvent, c'est parce que vous n'êtes pas encore tombé sur des calibres lourds. Je prends 5 maîtres spirituels de différents pays, on t'encercle. On m'a eu un parvenu comme ça, racaille va. Toi, tu vas insulter une femme écervelée, toi. Toi, tu vas insulter une femme écervelée. Avec la chose que je vois à côté de toi, là, tu vas insulter une femme écervelée. Tu aurais pu trouver une autre insulte, mais pas écervelée. Quand on a une goutte aussi vide que le machin qui est à côté de toi, là, on n'insulte pas les gens écervelés. Tu te prends pour qui? Toujours parce que les gens te machin et tout, jeune, très mort ou trop. Alors. Je voulais vous parler ici de vos artistes là encore. Vous savez, quand je fais des prédictions, que je dis que on aura un artiste, c'est-à-dire je dis qu'on va peut-être perdre quelqu'un et tout. Moi, je fais souvent des prédictions ici pour vous parler. Je vous ai parlé de Sarkozy. Ceux qui me suivent depuis 15 ans aujourd'hui, ils savent que j'ai dit beaucoup de choses. Parce qu'il y a certaines personnes qui me collent l'étiquette de ne prédire que des morts. La mort fait partie de la vie et nous tous, nous allons y passer. Donc, quand je fais des prédictions, écoutez très bien ce que je vous dis. Parce que la plupart des artistes qui partent mettre leurs mains dans des choses là, quand on fait des prédictions, ils savent. Ils savent, c'est un moyen d'attirer leur attention, de leur dire que faites attention. Parce que les gourous là, qui veulent vous envoyer des vents là, ils ne sont pas plus forts que vos ancêtres, ils ne sont pas plus forts que vous. Vous entendez avec quoi? Ils ne sont pas plus forts que vos ancêtres, ils ne sont pas plus forts que vous. C'est une façon de dire, un peu comme quand j'ai dit aux jeunes humoristes là, j'ai dit sortez de la maison, allez commencer à vous protéger. Beaucoup d'entre eux étaient allés se protéger. Je ne prétends nullement pas que les gens vont mourir d'ailleurs même. Je ne connais pas une moule là où on fait mourir des gens. Dieu seul est mon témoin. Donc, quand vous êtes dans votre truc de showbiz là, voilà Chris M qui est allé au Bénin. Elle est venue ici là avec son gros popotin. Elle nous a dit que, oh yo, à chacun sa chance. Oh yo, la vie c'est la chance. Ouah. Yeah, ah, on a dansé. Jusqu'à même le professeur Maurice Kamto avait dansé la chanson là. Mais elle, qui n'a pas une muse, parce que elle n'est pas faite pour la musique, c'est le hasard. C'est-à-dire que c'est parfois comme ça là quand Dieu dit que bon, il va trouver une opportunité pour tout, pour ouvrir ta chance, que tu gagnes l'argent et puis tu peux investir. Parce que normalement, Chris M, c'est des filles qui sont faites pour vendre les beignets. C'est-à-dire que sa part d'étoile, c'est fait pour vendre les beignets. Chris M n'a pas une muse. Les gens qui ont la muse, c'est les Charlotte Dipanda, les Grace Ndeka, les Ben Ndeka, les autres là, le monsieur là, on appelle quoi, Dinabel, le gars qui est mort l'autre jour là, Aïdjo Mamadou, les Lady Pons, les Coco Argenté, les gens qui ont une muse. Quand on parle de muse, c'est des gens que ils sont nés pour faire la musique.
Vous entendez avec quoi? Il y a beaucoup comme ça là. Oh, le gars là qui est parti s'enfermer lui seul. Lui seul comme un grand garçon. Il est parti s'enfermer, dit qu'il ne vient plus au Cameroun là. Mon chéri là, son nom c'est qui là? Oh, Richard Bona. Les Richard Bona, ils sont nombreux comme ça là. Ce sont des gars qui ont la muche. Les Annie Anzouer, ce sont des gens qui ont été choisis par les muses. Je vous avais expliqué hier que la muse, c'est l'esprit qui, c'est-à-dire qui accompagne quelqu'un dans une carrière musicale. Les restes là qui sont à côté là, c'est le forcing. Comme le gars là aussi, le petit gars là que je n'aime pas beaucoup là. Oh, le petit gars qui était parti avec le caleçon marron gris là pour se balader au bord de la poste là, de Yaoundé là. Vanisté officiel. Ce sont des gars qui sont nés pour chanter. Ce sont des gars qui ont une muse. Vous entendez avec quoi? Maintenant, les gens comme les Chris M là, c'est pour ça que vous voyez quelqu'un qui n'a pas une muse, qui est juste dans les opportunités. Quand il partait, il trouvait un petit show gars là. Tout de suite, la muse s'éteint. Même si elle faisait voilà. La muse, c'était, il y a beaucoup d'autres chanteurs comme ça, qui sont qui sont très forts, qui ont une muse. Je peux pas les citer tous, parce que je n'ai pas un répertoire devant moi. Vous entendez avec quoi? Petit pays n'a pas de muse. Lui, c'est un fou. C'est un fou ambulant. Il n'a pas de muse. Non. Il y a des chanteurs qui sont nés. Regardez par exemple Bendeka, vous allez voir que Bendeka, lui, il maintient sa même voix de quand il avait 20 ans, maintenant qu'il a 80 ans. L'autre qui était aussi mort là, oh comment le plus grand ou c'est guitariste ou c'est quoi, bassiste de l'Afrique là qui était mort là. Les gars ont une muse. C'est ça qu'on appelle avoir la muse. Maintenant, quand vous voyez les tchotchoro gens maintenant comme ça, il y a un autre là, il se permet de parler à Valsero, on l'appelle, où c'est l'île, quoi. Le type était là-bas au village, c'est-à-dire le jour il faisait la soudure, la nuit il partait manger les gens, c'est un sorcier le type là. Et comme Steve Fa, la femme du colonel, voulait tellement faire un rassemblement des sorciers de la même tranche que lui, il est parti sortir le père là. Qui volait la nuit comme ça là, il est venu déposer là. Maintenant le père là a un peu voyagé, il est parti. T'as dit que le père là quand tu le vois, mais attends, il croyait que machin. Tout mon très cher monsieur, même si Valsero fume le manga, il n'est pas de ta classe. Hein. Valsero lui, c'est les gars qui dès le départ, quand Valsero fumait encore deux mangas par jour, c'est des gars qui ont affronté le président de la République. C'est un gars qui a eu la niaque depuis. C'est quand il est monté. C'est-à-dire qu'il a commencé à cultiver le manga avec la marijuana. C'est quand il a fait son chant de manga et marijuana. Toi, tu vas te placer pour parler de Valsero. Parlons vrai. Quand tu te mets là, tu mets dans la forêt, machin. Va faire ta soudure. Les gars comme les Valsero, ce sont des gars qui, si on était dans un pays normal, ils ne seraient pas là en train de fumer le manga. C'est des gars qui ont la veuve, ils ont eu la muse intellectuelle pour composer un chant. C'est-à-dire la chanson qu'ils chantaient à une époque là, Monsieur le Président, machin et tout. C'est des gars qui ont affronté la. C'est-à-dire quand ils parlent, ils te disent un parolier. Toi tu es là, tu fais un fou comme ça là, au lieu de rentrer dans ton là, collant femme, là où la femme du colonel était partie te chercher. Toi tu es là, tu parles. Toi tu vas venir parler parce que on est dans un pays qui aime la médiocrité par excellence. Toi, tu vas venir parler à Valsero. Un fou. Et il y a un autre là qui fait aussi le femme là. Il a percé ses oreilles partout. Il est dans le femme là. Le monsieur là atteint un degré de femme là. Parfois, quand je regarde comme ça, il y a un monsieur la dernière fois. Il est venu, il m'écrit. Je regarde la photo de profil. Je vois, c'est la photo du monsieur là qui est là-bas. Le vendeur des assets là. Je lui ai dit que ta photo de profil me fait peur. Dégage. Le type là atteint un degré de femme là qui n'a plus. T'as dit, le femme là, quand je vous dis le femme là, le type là a avancé. Il est avancé. Quand tu vas venir parler à Valsero. Mais vous fumez souvent quoi? C'est comme ça que j'ai entendu une autre ici dernièrement. Elle était en train de parler. Elle parle à Sandy Boston. Comme si Sandy Boston vendait les beignets avec elle. Elle parle. Non.
on va commencer à se respecter étape par étape. Moi, je n'aime pas Valsero parce qu'il m'avait attaqué. Pas parce que je n'ai pas un problème avec lui. Mais vous ne pouvez pas laisser un fou comme ça en divagation venir parler à Valsero. C'est des gars qui ont une muse. Moi, je préfère moi insulter Valsero seulement. Mon choix mine droit. Mais un fou comme ça, là, t'as dit, c'est la preuve que le pays est en train, t'as dit, le pays, le Cameroun, t'as dit qu'on valorise la médiocrité par excellence. Rentre à la maison et... Ah, Fa, rentre à la maison. Et il chante comme ça pour Steve Fa. Hein. Depuis que Steve Fa est parti aux États-Unis, il dit, maman, rentre à la maison. Et vous partez fouiller au fond, vous attrapez le père là, vous le fouettez bien. Il va. De, comme il avait commencé son truc, hein, Enéo, hein, on a problème avec Enéo. Il dit, si vous partez fouiller au fond, c'est un oubi avec son gars qui est parti le sortir de l'obscurité là. Voilà comme ça que il est parti enlever un sorcier dans son village. Qui vient, il s'agit. Toi, tu as parlé à Valsero. Mais vous vendez son. Même ça, si ce n'était pas que Valsero cultivait les champs de manga et de marijuana. Que maintenant, là, il est là, il fait seulement comme ça. Toi, tu as parlé à Valsero. Vous voyez comment on est dans un pays qui, c'est-à-dire, on est dans un pays, un régime qui est en train de valoriser la médiocrité par excellence. C'est les médiocres qui parlent fort. Et les gens même qui peuvent promouvoir des valeurs. Nous avons des gars comme les Valsero là qui ont eu une muse. Une muse, quand on parle de la muse. Sa muse était une muse très forte. Il est comme il est, je sais pas. C'est Jean-Paul qui a tué sa muse. Ou c'est la marijuana qui a fermé les yeux à sa muse. Parce que c'est un garçon. T'as dit, quand tu vois quelqu'un qui est dans un pays, il chante son qu'il avait chanté, lettre au président de la République. Ça veut dire que le gars avait une muse de leader. Une muse de leader. Mais tout ce qui tourne autour de Jean-Paul meurt. Tout ce qui tourne autour de Jean-Paul meurt. Ne viens pas tourner autour de Jean-Paul, tu crois que tu vas vivre. Non, même si on t'arrose tous les jours, tu vas seulement mourir. Jean-Paul, c'est un incube et une succube. Je me répète, Jean-Paul, c'est un incube. À elle seule, elle est incube et succube. D'accord? Donc, bonjour Nicole Kitcha. Donc, on va... apprendre à se respecter. On va apprendre à se respecter. Toi, tu ne peux pas venir aujourd'hui. Tu dis, rentre à la maison. Et appelle ta femme, Steve Fa, tu lui dis, chérie, je veux que tu reviennes à la maison. Arrête de nous casser les oreilles. Et toi, tu vas te mettre dans les arbres. Tu vas parler de Valsero. Quelqu'un qui a marqué son temps. Toi, tu vas venir parler. Non, il faut arrêter. Voilà Chris M qui est parti au Bénin. Gardez-le comme archive. D'abord, même que c'est une fille d'abord qui est sévèrement envoûtée. Ce genre d'enfant-là qu'on a on s'est trop baladé, un peu comme les enfants de l'autre serpent de Ngaoundéré là. On a trop tourné comme ça dans les trucs, machin, et tous les enfants qui ont les 6 yeux, les 84 yeux là. La voilà qui est en train d'aller empirer sa situation au Bénin. Je ne veux pas entendre ici que vous venez m'insulter quand je vais prédire sa mort. Parce que ça ne va pas tarder. Vous entendez avec quoi? Parce que là où elle est partie au Bénin faire quoi? Elle est venue, elle est partie là-bas prendre le charme collectif. Le charme collectif, c'est quoi? C'est quelque chose qu'ils font parfois, ils soufflent dans l'air, dans la forêt, avec les esprits là. Ils soufflent dans l'air et puis ils égorgent un bœuf. Pour venir, pour qu'on la voie. Mais ma chérie, quand tu as sorti ton Bénin là, tout ce que tu as fait là, ça va se verser. Personne ne va plus te voir. Tu entends avec quoi? Tu entends avec quoi? Parce que vous avez trop les longs yeux. Vous avez trop les longs yeux. Vous aimez trop regarder. C'est-à-dire que quand vous voyez les gens que j'ai cités qui ont une muse, là, il y a encore des milliers. Moi, quand je veux écouter la musique, je ne veux pas écouter. Il y a encore un autre là, Georges Mignem. Georges Mignem, il enseigne dans une université ici. Le gars, c'est un parolier. Quand tu écoutes sa musique, même parfois quand je suis dans mes services, parfois, quand je chante, les gens disent tout que, mais c'est qui chante ça? Hein? Le gars là aussi, il y a Elvis Kemayo. Qui d'autre? Celui-ci qui faisait Delhi là. Et Pierre Didier Tchakounté.
Les bébés manga, les mamans Guéa. Ils avaient une muse. Vous entendez avec quoi? Folie d'Iran. Folie d'Iran. Triste comme le Sahel. Elle ignore qu'elle est belle. Sans une pause, le soleil s'impose. Sa vie n'est pas rose. Mince. Non. Et voilà, chaque soir, avant qu'il ne fasse noir, pas de lanterne dans ses rêves ternes, que l'ennui gouverne. Dans un carré, petit sarré, égaré du diamaré. Ouh! Aïssatou, aime avant tout les bijoux, le reste, elle s'en fout. Sa peau est douce et claire, ses yeux lancent des éclairs. Sur une natte, elle se natte en mangeant des dattes. Couché tôt chaque soir, avant qu'il ne fasse noir. Ange sans aile, frêle gazelle, mannequin modèle. Quand tu écoutes les chansons de Folie d'Iran, un parolier, le mec, quand tu écoutes ça, tu as la chair de poule, c'est-à-dire que ça, la muse, tu sens l'esprit, tu sens une muse qui dégage de ça. Lorsqu'on lui sourit, elle finit dans ton lit. Elle dit toujours oui. Ouh, quand on a envie, elle nous fait tant de bien et ne réclame rien sans aucun protocole. Souvent elle racole. Fanny, oh, Fanny, yish, Fanny, aïe, aïe, aïe. Fanny, oh, il est évident qu'elle a un cœur géant. Chacun a sa place. Un peu d'espace. Dans cette chanson, Folie d'Iran dénonçait la dépravation des mœurs sans grossièreté. Sans entrer dans l'aboutissement. Mais aujourd'hui, tu vas voir les sales petits gars qu'on a envoûtés là-bas. Ils disent, est-ce que c'est elle qui texte? Est-ce que c'est toi qui texte? Est-ce que c'est toi qui t'escule? Est-ce que c'est moi qui t'escule? On n'en a rien à foutre de vos saloperies. Allez vous faire foutre. Vous allez tous crever comme de la merde. Parce que vous avez pris un mauvais chemin. Vous entendez avec quoi? Voilà Chris M qui a pris son gros popotin. Elle est partie au Bénin. Mamie, ma chérie. Je verse l'eau sur tout un grimba que tu allais faire là-bas pour endormir les jeunes. Parce que c'est comme ça que vous faites, vous venez endormir les jeunes autour de vous et après vous commencez à vider leurs énergies, les sacrifier. Tu es parti là-bas au Bénin, pas parce que tu te cherches, parce que tu veux renforcer ce que tu as déjà dans le ventre. Hein? Je chante même encore quoi là. Qu'est-ce que Chris aime là, chante même encore là. Elle chante même encore quoi. Ton premier son a donné. Tu as voyagé un peu partout avec ton gros popotin. Tu es parti, on t'a donné l'argent. Tu es parti manger avec ton chou. Toi, tu pars au Bénin attaché l'équipe, mamisa. On m'a dit Bénin quoi pour vous. On m'a dit un coco au chou, un coco au tenu. Pimvoca, on m'a dit Bénin, on m'a dit quoi pour vous. Tu crois que tu peux faire quoi d'autre? Tu es un peu, c'est-à-dire, tu es un peu comme Franco. Franco était venu, il a créé sa part de dépravation de mœurs. Après, il est quitté. Sanga la petite. Même si c'est ta sœur, même si c'est ta mère, même si c'est ta voisine, Sanga la petite. Franco, on a Sanga personne. Après, il est revenu. Il voulait tourner toujours autour de son même son, la machine et tout. Taisez-vous quand vous n'avez rien à dire. Vous êtes en train de gâter la jeunesse. Et vous êtes là où vous êtes là. Et quand je prédis vos petites morts, quand je prédis vos petites morts, vous venez dire que je suis mal âme de Facebook, je suis mal âme pour prédire les morts. Non, c'est parce que vous êtes en train de créer une opportunité. C'est-à-dire, vous êtes en train de créer les énergies de la mort. Et nous, on voit ça. Les gens, et en plus, j'ai les lunettes optiques maintenant, je vais bien voir vos choses. Ils m'ont dit oui. Je m'en dis oui. Pop.
Maintenant, je vois clair. Maintenant que le milliardaire de Dubaï m'a acheté les lunettes, je vais maintenant voir clair les lunettes optiques en plus. Parce que ça aussi, c'est les lunettes de vue, c'est les lunettes optiques. Je vais voir vos choses claires. Il m'a dit oui. Et quand je vais voir, je vais m'empresser de venir dire, vous allez me faire quoi, Hugo Doumindje? La jeunesse que vous voyez au Cameroun, là, si on s'amuse, à un moment donné, il y aura 200% de jeunes qui seront dans des choses compliquées. Nos enfants, là, si ce n'est pas nos ex-maris qui amènent nos enfants dans les loges, ce sont les autres jeunes qui les amènent. Voilà Chris M. Moi, je dis à toutes les personnes qui sont autour de Chris M, ses danseurs et autres, quand elle va revenir du Bénin, fuyez là, allez vous protéger. Fuyez le gros machin, le gros popotin là, allez vous protéger. Tu ne peux pas te prétendre avec ton quatre ventre, toute la sorcellerie que tu as dans le ventre. Tu te permets de croire que tu vas aller là-bas au Bénin, ramasser la pourriture, la moisissure pour venir envoyer. À tous les enfants qui sont autour de Christ, quand elle va revenir du Bénin, vous partez vous protéger. Oh, comme ça, quand elle va venir là, elle va vouloir faire ça. Envoyer le venin de son serpent, ça va faire, ça va rentrer dans sa gueule là. Fait chier, vous nous fatiguez. Si ce n'était pas vous qui partez chercher vos choses, c'est que je suis où maintenant? Que maintenant quand elle passe par toi, malame de fesse, vous croyez que je suis fier qu'on m'appelle? J'ai même changé mon prénom, j'ai mis Marguerite, mais les gens parfois m'appellent toujours malame de fesse. Je marche dans la rue, c'est toujours, ça dit que si je peux pas faire un pas, parfois, Dieu merci, peut-être comme le milliardaire de Dubaï m'a offert les lunettes, peut-être maintenant on va plus me reconnaître. Faites chier. Je dis que vous faites chier. Dans la vie, je vais vous dire quelque chose. Dieu a mis en chacun le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions de sa vie. Mais vous êtes là dès que vos mères ou vos pères vous donnent un peu de sorcellerie dans le ventre, ou bien l'oncle, vous caressez le ventre là comme ça, vous êtes dehors la nuit, et maintenant vous partez au Bénin renforcé. Le Bénin n'a jamais fait un travail positif. Là-bas au Bénin, il donne que des mauvaises choses. Hein. Là-bas au Bénin, là, il donne que ce qui est mauvais. Et il te donne que quelque chose que tu dois... Écoutez ce qu'on dit sur Facebook. Il te donne que quelque chose que tu vas encore rentrer là-bas. Regardez Camille Makoso. Il partait prendre les pouvoirs au Bénin. Quand les Béninois sont levés sur lui, ils ont dit que non. Nous, on ne mange pas à la hauteur de ce que tu prends. Vous blaguez. Vous blaguez avec le Bénin. Vous partez là-bas. On part dans la forêt là-bas. Il y a des longs arbres. C'est une forêt où il y a des longs arbres. C'est une fille qui était partie, qui était venue me dire... Moi, je ne bouge pas, je ne me déplace pas. Des longs habits, il y a des esprits qui sortent, ils viennent. Tu leur dis tout ce que tu veux, ils te donnent ça. Et après, maintenant, tu repars encore là. Mais il y a un gars qui racontait ça sur les réseaux sociaux. Elle est allée au Bénin. Vous croyez qu'elle n'est pas au Bénin parce qu'elle a un show là-bas. Elle part là-bas chercher comment elle va fermer vos bouches. Comme les Aïcha Kama. Pour Aïcha Kama, elle a un totem. Elle cache son totem en brousse. Quand on veut déjà parler d'elle là, elle met le voile, elle met le pagne noir sur son totem. Quand ça se calme, elle ressort son totem, elle avale les étoiles des gens. Elle, pour elle, c'est son totem. Elle a grandi avec sa grand-mère qui lui a donné. Mais pour toi, là, tu pars chercher quoi au Bénin? Au Mangé, tu pars chercher quoi au Bénin? Hein? Toi, tu pars chercher quoi au Bénin? Tu crois que tu vas venir dominer les qui? Nous sommes dans une ère où les réseaux sociaux sont là. Où il y a les réseaux sociaux. Tu sais, hier, dans mon direct, c'est quelqu'un qui est proche de toi qui est venu dire que tu es au Bénin. Maintenant, quand tu fais tes choses, les gens n'ont même plus de vie privée. Les Sungi sont là pour parler mal des gens. Vous entendez avec quoi? Ne forcez pas les choses. Arrêtez de forcer les choses. Quand ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour toi. Vous entendez avec quoi? Si ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour toi. Moi, j'ai grandi avec une politique de la vie. Quand c'est pour moi, je sais que ça va venir à moi. Si ce n'est pas pour moi, je ne convoite pas. Arrêtez de convoiter. Elle est partie, elle a chanté. À chacun sa chance. À qui caca chance. Mais caca, c'est la chance. Comme ça a mordu. Ma chérie, quand tu fais un son comme ça, ça mord. Tu n'es pas comme les Grace Ndeka qui ont une muse qui est très forte. Grace Ndeka, là où elle est là, elle peut chanter même jusqu'à 100 ans. Maman Guéa avait chanté jusqu'à 100 ans, jusqu'à sa mort. Ben Deka que vous voyez là, il peut chanter jusqu'à sa mort parce qu'il a une muse qui reste éternellement jeune. Hein? Et l'autre là, le cacateux là,
Le cacateux qui était parti, qui était venu m'attaquer, qui était parti marcher avec le caleçon sale à la poste, que Vanister. Vanister, c'est une réincarnation vivante de Otto Marcelin. Allez regarder Vanister, vous regardez Otto Marcelin, vous allez voir que c'est une, c'est-à-dire c'est la doublure. Peut-être Otto Marcelin était jumeau dans une autre vie. Vous allez voir que les gens qui ont une muse très forte, comme les Otto Marcelin, les Vanister, mais moi, je n'ai pas dit que je l'aimais. Mais j'ai dit que le gars, lui, il t'a dit que c'est quelque chose, tu sens que c'est fait pour lui. Toi, il est Lingona, et Lil Barak, et ça va parler de Valsero. Mais vous fumez quoi, en fait? Vous croyez que vous pouvez fumer plus que Valsero? Vous croyez, Valsero mélange le mbang et la marijuana. Vous croyez que vous pouvez fumer plus que Valsero? Vous, qu'est-ce que vous voulez nous faire, là? Vous voulez nous faire quoi? Vous sortez de là que Happy Defoulane était sorti, il était dans un groupe. Happy Defoulane, il va falloir que tu te confesses, hein, sinon ce que tu as à ta tête va jeter l'heure. Dis-nous qui t'a amené dans des choses qui n'étaient... En fait, dis-nous qui t'a proposé un certain nombre de choses, même si tu n'as pas fait. Dis-nous. Parce que certains de vos producteurs, certains de vos entourages, quand c'est votre heure de gloire... Ils vous disent parfois qu'allons à tel endroit, ils volent vos cerveaux, ils laissent ça là-bas, ils vous laissent rentrer la cabesse à vide. Il faut dire, tu sais, moi je vais te dire quelque chose, toutes les personnes qui ont dénoncé ont eu gain de cause. Quand tu sens que tu peux encore, il faut dénoncer. Tu entends avec quoi? Ils sont là, ils viennent, ils font, voilà, j'espère que l'autre qu'on appelle Fadi, il va continuer comme il a continué là. Sa musique est bien. Il y a un autre ici. Nuki Fala, le Nyama, il est venu ici, il a fait. Ouais. Il est où? Il est où? Sa muse n'était pas prédisposée à l'amener loin. Quelqu'un comme Richard Bonala, il va chanter jusqu'à 150 ans, si Dieu lui donne longue vie. Parce qu'il a une muse très forte. Richard Bonala donne coup même chez les Coréens. Les gens comme les Vanister, c'est des gens qui, si ça soit bien, parce que là, je le vois déjà agité depuis qu'il est parti prendre sa part de bonbons sucrés des gens de Yaoundé là. Il s'agite. Il ne sait même pas qu'il fait partie de la tranche des Donny Olout. Il fait partie de la muse. C'est la même muse des Donny Olout et des Otto Marcelin. Il est là, il porte un dame au pied, caleçon, un domo, caleçon, babou, n'entend poste central. Il ne sait même pas que là où il est là, la réincarnation existe. Il est d'une génération des personnes qui doit continuer un certain travail. Parce que il y a le Makossa, il y a le Bikossi, il y a le Mangambe, il y a tout. Et il y a toujours des successeurs. Il a agité comme un pou dans la soupe. Bientôt, lui aussi, va partir là-bas. Il va aussi prendre sa muse. Non, t'as pris quoi, Tenny, dans le Sina. Vous entendez avec quoi? Donc, faites vos conneries là que vous faites là-bas, machin et tout. Et puis, comparez-vous surtout aux gens avec qui vous êtes de la même tempe. Je m'adresse aux vieux fous là, que Fa était parti ramasser dans la forêt, il mangeait les gens la nuit là. Vassero n'est pas ton égal. Il n'est pas, c'est pas, tu as l'âge de son père, mais il n'est pas de la même. Vous, ça dit qu'il n'y a pas match. Sur l'échelle de 0 à 10, Vassero est à 8, toi tu es à 0. Rentre à la maison et. Chérie, quitte aux États-Unis, tu rentres à la maison et faille. Fa rentre à la maison. Au lieu que tu dises directement que Fa rentre. Ou plutôt tu dis Steve rentre à la maison. Si tu dis Steve rentre à la maison, et quoi va te faire? Vous savez, le monde lui, le monde là est devenu tellement mauvais maintenant que il y a des moments où tu te dis que mais attends, à un moment donné, moi je voulais dire maintenant à mes jeunes frères camerounais que il y a une pétition en ligne. Qu'une jeune sœur a monté pour chasser Nicolas Sarkozy au Cameroun. Je vous avais dit que si Nicolas Sarkozy met ses pieds là-bas, parce que sous le régime de Nicolas Sarkozy, il y avait beaucoup de choses qu'il avait négligées. Et ils ont perdu certaines mainmises sur certaines choses au Cameroun. Écoutez très bien ce que je vous dis. La vérité vient de la bouche de la fille de Papa Mi, parce qu'elle n'a pas intérêt à mentir. Nicolas Sarkozy ne vient pas au Cameroun pour le plaisir.
Ce mec-là, fiage tes balles. Mon bon coup aussi, t'es niba. Il y a certains traités que le Nomgui a fait dormir et il n'a pas renouvelé. Il ne vient pas pour une visite amicale. Le type là, c'est un type qui porte une poisse et tout. Et là où il est comme un jupon, comme jupon Meroti, comme jupon Moretti. Jupon Moretti est venu au Cameroun, il a rempli sa mission. Je voyais les gens mettre sa photo. Qui vient? Qui vient? Jupon Moretti, avocat Jupon Moretti. Il venait remplir sa mission. Il venait dire à deux fratères que arrêtez de vous chamailler. C'est comme ça qu'on vous endort. Les mêmes choses recommencent. Nous, on est nés. On a vu bien au pouvoir. On est en train de vieillir. Me voici qui a derrière les poils blancs aux fesses. J'ai toujours le même mec. Les enfants, des enfants de nos enfants vont trouver le même. Mais vous blaguez ou quoi? Quand je vous disais ici que Jupon ne vient pas là-bas pour vos intérêts, il est venu, il a ramassé son pactole. Il est parti dire à ses deux fratères que, alors mes petits choux, alors, vous savez ce qu'on dit dans la fratrie? Dans la fratrie, on dit, on se soutient. Les fratères doivent se soutenir. Les fratères ne doivent pas se chamailler. Alors, petite punition. Et quand il a calmé les deux fratères, il est rentré, l'a nommé ministre de la justice en France. Moi, je parle de lui, même si c'est lui qui lève la tête. Je tape pam. Avec leur sorcellerie qu'ils font souvent dans les airs ici, là. Je parle de lui. Et comme il y a certains gens qui croient avoir des relations avec lui, que quand on les vomit là, ou bien quand on parle de là, ils vont aller pour qu'ils partent et on leur donne les dossiers des gens pour qu'ils viennent. On n'en a rien à foutre. Nous n'en avons rien à foutre. Nous, on connaît ce que vous faites. Parce que nous, on va parler de vous. Et donc, maintenant que Sarkozy, qu'est-ce qu'il vient faire? Qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient là-bas recoller les morceaux parce que comme il a les problèmes de justice ici, je vous avais déjà dit ça, vous me faites souvent trop bavarder. Comme il a les problèmes de justice ici, on lui a dit que, est-ce que tu sais qu'on est en train de nous chasser partout? Est-ce que tu sais que le Cameroun, là, nous, on ne veut pas lâcher là-bas? Est-ce que tu sais qu'il y a certains trucs que tu avais oublié de renouveler les traités et que le Nomgui avait... Sous ton mandat, il faut que tu ailles réparer ça. Et comme il vient, le Nomgui n'est plus à même de réfléchir. Celui qui a toutes les signatures, c'est Ferdinand. Donc, commencez à dire à Ferdinand que tu bouges. Ferdinand, moi, je vais te parler. Moi, je parle pas à Paul Biya. Paul Biya, il a fait sa part du désordre, il est parti. Ferdinand, voilà Sarkozy qui arrive. Ferdinand, voilà Sarkozy qui arrive. Tu signes un seul traité avec lui pour nous emprisonner encore longtemps. Ton mandat fera long feu. Si Sarkozy vient, tu le renvoies comme un malpropre, il ne va rien te faire. Je m'adresse à Ferdinand. Parce qu'on est sous l'air du verso. Tu entends avec moi mon petit Ferdinand. On est sous l'air du verso. L'air du verso... Avant que l'ère du Verseau n'arrive, il a failli avoir une guerre. Il y a eu la guerre spirituelle, ça a failli passer à la guerre physique. Il y a eu une grande guerre, Ferdinand. Écoute-moi très bien ce que je te dis, entre le dragon et l'aigle. Dans les astrales bouillaient, ça allait dans tous les sens. Hein? Et la guerre même s'est arrêtée, d'où l'avènement du coronavirus. La guerre s'est arrêtée parce que l'ours s'est mis derrière le dragon. Et comme l'aigle a peur de l'ours... L'ours, c'est la Russie. Il fallait qu'ils mettent une fin. Et c'est comme ça qu'ils ont manipulé avec le coq et tous ces gens-là. Et ils sont maintenant venus faire que ils partent maintenant toucher les Ukrainiens. Ça, c'est la manipulation pour créer la distraction afin de reprendre la guerre spirituelle. La guerre spirituelle va encore reprendre. Il y aura l'avènement d'un virus. Je te le jure en vérité, Ferdinand, si tu bottes le cul à Sarkozy, même moi, je me mets de ton côté. Chassez ce monsieur très loin. Chassez-le très loin. Sa venue au Cameroun, c'est le chaos. Vous avez entendu ce que mon petit chéri, l'homme de ma vie, Blaireau Niemek, a dit. Il a dit la même chose que j'avais déjà dit. Parce que Blaireau Niemek, comme vous le voyez là, lui et moi, on va faire 5 enfants quand on aura 80 ans.
C'est l'amour de ma vie. C'est un homme très sage. Je l'aime beaucoup. Chassez-moi Sarkozy là-bas. Les enfants à qui on donne occasionnellement les pains sardines. Attendez, je vais regarder l'heure de ma pause, hein, parce que vous avez souvent l'air de... Vous avez souvent l'air de m'endormir dans vos trucs là et tout. Et après, je... Moi, je fais attention à tout. Je joins l'utile à l'agréable. Comprenez? Vous entendez avec quoi? Si on vous donne de l'argent, vous avez le droit de ne pas venir. Si les gens là qui arborent la tenue du RDPC là viennent vous donner les pains haricots avec les pains sardines, le jour là vous dites que vous étiez mal, vous mangez l'argent propre, ne partez pas. Ils ne vont rien vous faire, on est à l'aide du verso, c'est moi qui vous dis ça. On est à l'aide du verso, ils ne vont rien vous faire. Ce n'est pas les histoires qu'avant, on disait viens d'abord. Et même si vous disent de venir porter la tenue pour aller le recevoir, vous venez bien, ils vous donnent là, vous rentrez. Vous achetez l'Alaska, s'il fait chaud, per US sucette, vous achetez l'Alaska, vous sucez l'Alaska, vous rentrez chez vous. Vous rentrez chez vous. Et bonjour, vous allez bien? Ça va? Oh, très bien, merci. Vous n'avez rien à recevoir Sarkozy. Le simple fait est que vous partez le recevoir, vous lui donnez vos énergies. Le gars là vient en mission. Et je vais vous dire une chose, c'est de votre destin qu'il s'agit. Mais moi, je vais parler à Ferdinand. Moi, je ne parle pas. Paul Biya, lui, il a fait son temps. Il a fait son désordre. Et il va partir bientôt. Il va nous quitter là, bientôt, là. La personne qui a les signatures, c'est Ferdinand. Ferdinand, comme tu es un mec qui aime le Nyanga, là. L'avenir de ton peuple repose entre tes mains. Si tu signes quoi que ce soit là-bas, viens nous dire. Parce que nous, on ne veut plus que vous signiez les choses que vous cachez. Nous, on veut connaître d'où vous mettez notre pays, le destin de notre pays. Je te jure sur la tête de Papa Mi, que si tu signes quelque chose là-bas, si tu signes quelque chose là-bas, mais si tu ne signes pas, moi-même, je deviens ton ami. Parce que regarde ce que le pays est devenu. Un vieux père. Il vient, il prend le micro, il chante, il dit, si tu veux rentrer à la maison, à mon amour, fa, rentre à la maison, on touche le cabinet. Ça peut faire rire, mais ça ne fait pas rire. On touche le WC. On est en train de toucher, c'est-à-dire, on est en train de regarder ce qui se passe au pays. Les gens qui transmettent le savoir sont devenus tous des sorciers. On les a tous vampirisés parce qu'on ne les paye pas bien. Les maîtresses sont devenues les voleuses de gamelles des enfants. Un pays comme le Cameroun. Hein? Si vous étiez en accord avec votre diaspora, vous êtes là, dès que quelqu'un met sa caméra, il parle, Patrice Nouma ne vient plus au Cameroun. Oh, machin et tout et tout. Oh, machin et tout et tout. Vous ne savez même pas que ces gars-là qui parlent là, ce sont eux qui peuvent vous aider à construire votre pays-là. Parce qu'ils ont de l'expérience. Vous chassez les Camerounais, vous croyez que le pays-là, ça vous appartient? Vous voilà qui êtes en train de les nuits sans sommeil. Les nuits sans sommeil par rapport à la transition. Vous voilà. Vous êtes tellement méchant. Comme vous faites des trucs pas possibles dans la nuit pour vous maintenir là où vous êtes. Vous voulez que toute la jeunesse soit dedans. Voilà Shakiro qui a mis les seins à cause de vous. Voilà Shakiro, il est parti mettre les seins. Bientôt, pam, cancer. On va attendre que Shakiro, ça ne va plus. Parce que comme il a mis les seins là, restez scotché, vous allez voir. Dans pas longtemps, votre Shakiro là, dans pas longtemps. Parce que déjà, il a mis les seins et aussi il se dépigmente la peau. Les deux là vont faire effet boomerang. Et puis, c'est dommage parce que c'est mon neveu. C'est mon sang. C'est mon sang, c'est mon enfant. C'est les trucs là qu'il a commencé là qui vont l'emporter, qui vont le mettre dans des sérieux problèmes. Je dis bien des sérieux problèmes de santé. Et après, vous allez venir nous dire que, oh, c'est monté, oh, c'est descendu, oh, pardon, excusez ce que j'ai dit, si j'ai mal dit, pardon, ramassez ça, vous jetez à la poubelle. Mais il va falloir qu'on fasse attention. Le Camerounais est devenu maintenant un problème pour un autre Camerounais. Mais de grâce,
N'accueillez pas Sarkozy au Cameroun. Chassez-le. Ceux qui habitent à l'étage, quand il va passer, prenez le ndomo ndomo. Je vais me répéter. Ceux qui habitent à l'étage, quand le Nabola va venir, il va passer, prenez le ndomo ndomo. Tu flanques deux cailloux sur son cervelet. Massima, il sort. Massima, il tchokuiba. Découragez-le. Parce que c'est votre avenir. Si vous voulez, nous là, on a déjà dépassé la quarantaine depuis des années. Dans quelques temps, on va basculer. On va commencer seulement à aller au pays des allongés. C'est vous qui allez rester souffler avec les gens. Vous êtes là maintenant que quand vous voyez, je vous avais dit que la plupart des comédiens là, les gars qui sont dans les showbiz là, 90% sont dans les loges. Les jeunes que vous voyez sur la toile là, 90% sont dans les loges. Et ceux qui ne sont pas dans les loges là, comme les franco là, qui ont peur d'entrer dans les loges là, ils sont des sorciers, ils marchent la nuit. Je vous avais dit ça, Franco le mignon lui, c'est un bandit la nuit. La nuit, dans le monde occulte, dans le bas astral. Franco le mignon se promène avec le couteau, je vous avais dit ça. Ce sont des bandits spirituels. Les 10% là, parmi il y a les 5%, les gens comme les Franco qui ont refusé d'entrer dans les conneries comme ça là, eux ils gèrent que leur sorcellerie n'a yon, n'a yon. 90, regardez vous-même, 90% des jeunes dans un pays, dans les sectes, le feu à Teba Yéné disait déjà ça. Vous croyez que le pays là va aller où? Les oubis partout. Ça veut dire que quand ça va péter de ce côté, par exemple, je vous avais dit que Mbengue que vous voyez là va tomber dans une profonde crise économique, surtout la France. Et ils vont retourner pour venir trouver le pays comme ils ont voulu que ce soit, avec les oubis, avec tout. Et ils ont déjà préparé la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire, c'est déjà cuit. Vous allez voir, ils vont libérer les bêtises là au Cameroun. Ils vont libérer les bêtises là au Cameroun. Vous êtes toujours là, vous vous accrochez sur des choses qui ne valent pas la peine. Qui ne valent pas la peine. Hein, le problème se pose, c'est quoi? Quand vous parlez trop de quelque chose, il vous étouffe avec plusieurs événements. Et après, vous oubliez d'autres événements. Vous entendez avec quoi? Si vous pouviez vous accrocher sur un seul événement, et en plus, pourquoi ils veulent que beaucoup de jeunes entrent dans les loges? Parce que dans les loges, on leur dit que tu ne dois travailler que pour la fratrie. Donc, quand une jeunesse est dans les loges, ça veut dire qu'ils ne peuvent défendre que des intérêts de la loge. Vous comprenez avec quoi? Si ce sont les gens de la loge là qui viennent, ils tuent les gens. Ils font des trucs. Les jeunes là ne vont supporter que ceux qui tuent. Regardez un peu comment quand je fais une vidéo éducative, ils viennent m'insulter parce que je suis en train de dire des choses que leurs supérieurs dans les loges font. Puisqu'on leur a enseigné là-bas qu'ils ne doivent avoir des intérêts que pour la loge. Et c'est tout à fait normal. Mais si à un moment donné, nos enfants, et en plus, hein, beaucoup d'enfants sont victimes comme ça là de VIOL dans les maisons. Et maintenant, tu as dit que tu vas voir le père qui a le femme là qui a percé ses boucles, ses oreilles, son nez partout ces derniers temps-ci. Il dit qu'il chante déjà, comme il avait. Il nous dit que ça a déjà commencé. On ne sait pas ce qui avait déjà commencé. C'est lui qu'on invite, au sommet. C'est lui qu'on invite au palais de l'unité pour aller chanter. C'est une façon de vous dire que si vous n'êtes pas dans le femme là, on ne vous invite pas. Vous entendez avec quoi? Père Mondjoupika. On est en train de vous dire que c'est les gens qui vont rejoindre le femme là parce que le père là a atteint un niveau dans le femme là que pas possible. Maintenant, ce sont ces employés dans ces boutiques de vente des assiettes là qui va souvent voler leur cerveau. Tu vas le voir, tu ne peux même pas le soupçonner. Pourtant, une femme là, man. Pour une femme, franchement. Hein. Pourtant, une femme là, man. Il va quitter, il vient. C'est à 70 ans qu'il porte les grosses chaussures. Il attache les chaînes partout sur lui. Apprenez à lire des signes spirituels parce que le physique sera toujours le marchepied du spirituel. Vous avez vu la guerre spirituelle qu'il y a eu dans les astrales. À l'époque, il y a de cela 10 ans quand il disait qu'il y a un virus très dangereux qui va tomber, les gens m'engueulaient. Vous finirez par me donner raison. C'est moi qui vous dis ça. Un jour même, vous allez même me chercher pour que je vienne vous dire quelque chose. Vous n'allez pas me trouver. C'est comme ça que moi, je fais mes choses. Quand je disais qu'il y avait un virus, il y a eu une guerre spirituelle dans l'astral. Je vous explique.
Le dragon contre l'aigle. Le l'aigle, c'est la puissance des États-Unis. Le dragon, c'est la puissance de la Chine. Maintenant, la Chine, elle veut devenir... C'est-à-dire que le communisme, sur le plan physique, veut prendre les devants. Maintenant, il était question ici que chacun prenne sa part. C'est pour ça que vous avez entendu Emmanuel Macron dire « On est en guerre, on est en guerre. » Mais il ne vous avait pas expliqué de quelle guerre il s'agissait. Vous entendez avec quoi? C'était la guerre spirituelle. La France, leur totem, c'est le coq. La Russie, c'est l'ours. Et la Corée aussi, que vous voyez là, l'Enjing Shongyu. Ils étaient tous derrière l'aigle. Le coq est parti se mettre avec tout l'OTAN derrière l'aigle. Ils étaient tous derrière le dragon. Et le coq, avec tout l'OTAN, est allé se mettre derrière l'aigle. Et c'est ça qu'ils ont fait maintenant. Ils ont tchamp. Il y avait aussi un problème de délimitation des territoires dans cette guerre-là. Parce que quand ils appelaient, par exemple, ils appellent le lion, ils disent que tu rallies quel camp. Le lion dit que, qui est le totem du Cameroun, le lion dit que moi je peux rallier, je ne rallie un camp que si on enlève la main sur mes biens. Quand ils appellent, par exemple, les gens là, c'est même qui là, l'éléphant, ils disent que moi je veux telle chose, la délimitation des territoires, vous nous laissez tranquille, gérer nos trucs, machin et tout et tout. Et c'est comme ça là qu'ils ont, quand les choses sont passées. Sauf qu'au bout de cette guerre, l'aigle voulant faire du bras de fer, le dragon a donc balancé un virus qui est venu maintenant agir sur le plan spirituel qu'on a appelé le coronavirus. Et quand le dragon a balancé cet esprit là qui a représenté le coronavirus, il a mis une pause parce que l'aigle voulait faire le bras de fer. Il ne voulait pas, c'est-à-dire qu'il voulait toujours continuer à contrôler le monde. Le dragon, le coronavirus, était venu mettre fin à une période, à une guerre spirituelle. Un peu comme quand tu bagarres avec quelqu'un, s'il prend la poudre de piment, il te met, ou le sable dans les yeux, tu tombes sur le dos, il prend le dessus sur toi, il te maîtrise. C'est tout. Ce que Sarkozy vient faire là-bas au pays, si vous le laissez, vous l'accueillez bien. Parce que quand tu accueilles bien ton ennemi dans la maison, tu lui donnes l'occasion de revenir. Il fait ce qu'il veut. Si vous accueillez bien le Nabo là, dès qu'il va partir, aïe, aïe, aïe. Votre pays là même, c'est que la transition qui va se faire dans ce pays là, soit il y aura une guerre civile, soit on va vous traiter comme en Corée du Sud. Vous savez, quand le père de Jong Kwala est décédé là-bas en Corée du Sud, les gens ne l'aimaient pas, les Coréens ne l'aimaient pas. On les a de force, on les attrapait. Quand on venait dans les maisons, on vous attrape. Quand le cortège du président passait, on te force à pleurer. Si tu ne pleures pas, on t'envoie en prison. Tu voyais les Coréens. Oh, oh, tu voyais d'autres Coréens qui frottaient même les yeux, ils mettaient même les larmes pour pleurer. C'est ce qui va se passer au Cameroun. Vous êtes là, vous êtes dans la distraction des connasses, les connasses au groupe popotin comme les Chris M là. Elles partent porter les conneries, elles viennent vous dominer avec ça, elles viennent vous contrôler avec ça. Parce que elle a goûté à l'argent, elle a goûté au luxe, elle a goûté à l'avion et tout. Pendant ce temps, vous êtes au Cameroun, vous ne pouvez même pas prendre le vol de Yaoundé pour N'Djamena. Vous êtes au Cameroun, vous laissez une chose, une pêche comme ça là. Elle va quitter, elle va aller faire ses fétiches là-bas au Bénin. Allez me la laver, allez là-bas la boycotter sur sa page là. Qu'elle revienne trouver qu'on a tout cassé sa maison. Bon, on va tenir.